Nous voici, dans l'un des poumons verts de Bruxelles, l'une des dernières friches, un site de trente hectares qui longe le chemin de fer. Si certains y voient papillons et libellules, d'autres envisagent déjà depuis quelques années, un vaste projet d'aménagement. On trouvera des logements, on trouvera également des équipements, dont deux écoles, une crèche, un parc qui fera environ 4 hectares, et alors toute une série d'autres éléments bah, qui, qui font la ville, des espaces publics, des quelques espaces commerciaux, des équipements. Un quartier qui se veut durable et multifonctionnel, Brigitte et des centaines d'autres riverains. S'y oppose farouchement. C'est pharaonique, c'est démesuré. Voilà, on est dans une cuvette, 1600 logements, écoles, crèches, presque pas de sortie. Euh, voilà, c'est pas possible. Une crainte qui se trouve partagée par la commune de Scarbeck, sur laquelle se trouve la majeure partie de la friche. Elle émet un avis défavorable au projet. La commune s'est très clairement depuis le début prononcée pour un éco-quartier ou un quartier durable. Alors les choses évoluent très vite en la matière et nous pensons effectivement aujourd'hui que dans différents domaines, en matière par exemple de mobilité, mais aussi de type de chauffage, de récupération des eaux, de biodiversité, les ambitions ne sont pas assez fortes pour être cette opération pilote de quartier durable que nous souhaitons. À part vous et la région, finalement, qui soutient ce projet Je pense énormément de monde. On va commencer par dire tous ceux qui n'ont pas le droit à la parole, dont les 45 000 personnes en attente de logements sociaux. Plus de 30 seront en effet des logements sociaux. L'enquête publique se termine dans quelques heures. Reverront-ils leurs copies Rien ne les y oblige en tout cas.